Un peu faiblard, oui. Ça m'a pas l'air beaucoup mieux par ici. Hein. Celui-là m'a l'air mieux. Bon, ce que je m'apprête à faire est très dangereux. Ne le faites jamais, sauf peut-être en cas de guerre, si vous allez mourir de froid et que vous n'avez pas le choix. Je vais me protéger les yeux, ne serait-ce que les yeux avec ça. La LED ne s'allume plus, mais vu ce que j'ai mis à son connecteur, c'est normal. En tout cas, j'ai plus le problème de clic-clic. Ouais, ça chauffe. Donc, tout simplement, ça s'allume plus. Non pas parce que ça marche plus. On n'entend plus le relais qui claque, vous avez entendu? Donc, je pense que c'est tout simplement le condensateur qui était trop faiblard pour donner les 24 volts nécessaires au relais. Puisque le relais, c'est un 24 volts courant continu. Il faut qu'il soit activé par une tension suffisante de 24 volts courant continu. Et s'il ne peut plus être activé, bah, il ne peut plus envoyer le 230 volts alternative à la résistance chauffante. Bon, je vais couper quand même. Oui, bon, je vous confirme que ça chauffe, hein. C'était un peu lent, mais là, c'est bon. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire remarquer qu'en fait, à la base, donc là, on a quatre panneaux, mais en fait, en regardant bien, le trait ici, entre celui-là et celui-là, et entre celui-là et celui-là, il est très discontinu, en fait. Bon, là, vous êtes un peu loin, vous le voyez peut-être pas très bien. Regardez là, vous voyez que le trait est irrégulier, voire très irrégulier. Et c'est pareil sur son jumeau là. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il y a de la casse à ce niveau-là aussi. Parce qu'en fait, ça, c'était un seul et unique panneau à la base. Et ça s'est cassé sous l'effet, je suppose, du vieillissement, des cycles de chauffe-déchauffe. Peut-être qu'il est tombé une fois ou deux. Pas pendant que je le bricolais. D'ailleurs, on s'en doutait, parce que vous voyez, il n'y a que deux câbles de charge, quoi. Il n'y a que ici, là, un passage ici. Et l'autre, c'est l'autre. Il n'y a pas quatre fils qui vont à la carte. Il n'y a que deux fils de puissance. Donc, ça veut dire qu'il y a deux panneaux chauffants à la base. Enfin, rayonnants, pardon. Plutôt rayonnants. Donc, je viens d'avoir une discussion, une concertation avec l'AREN. Intellectuellement, c'était très intéressant de diagnostiquer la panne et de trouver la solution, hein, de tester une hypothèse. C'était relativement simple. Bon, ça marche, ça marche. Bon, ça marche dans ma version de test. Ceci dit, j'ai pas du tout envie que ma compagne et son bébé dorment dans la même chambre que ce machin-là, d'accord? Parce qu'en plus, j'ai pas de
condensateur avec des pattes suffisamment longues. Ça, là, les panneaux sont cassés. Donc, même si j'arrivais à le remonter sans casser, rien du tout, entièrement, déjà c'est du travail, c'est pas gagné. De toute façon, on est quand même sur un matériel vétuste et qui va avoir des difficultés à restituer sous forme de rayonnement, de chaleur, le courant électrique qu'il peut accepter en entrée, puisque ben, on a quand même une diminution de la moitié de ces panneaux rayonnants. Mais c'est pas tout. Comme je vous l'ai dit, entre le moment où c'est tombé en panne et maintenant, j'ai récupéré un convecteur de cette taille qui en fait fonctionne, nous a dépanné depuis qu'il est en panne. Je l'avais trouvé la veille de que lui tombe en panne. J'ai trouvé un autre panneau rayonnant comme lui là. Il est là. J'ai même pas eu le temps de le tester. Mais lui, a priori, il n'est pas cassé. Il n'a pas ses panneaux cassés et il est beaucoup plus moderne. Donc une meilleure consommation électrique. En outre, ça là. Moi, je pense que je peux le revendre, ça, sur eBay. Et ça aussi, je pense aussi. J'ai aucun intérêt à le garder. Ça va me permettre de libérer de la place. Parce que ça traîne dans mon salon depuis des mois. Et j'ai un deuxième radiateur que j'ai récupéré aussi, mais un double. Donc, moi, je m'arrête là parce que j'en ai pas besoin. Mais c'était quand même très intéressant de diagnostiquer le problème. Et bon, alors, je sais bien qu'il y en a qui vivent en campagne. Donc, chacun vit avec ses contraintes. Je sais bien qu'en campagne, vous n'avez pas des radiateurs comme ça tout le qui vous enfin jusqu'aux aisselles tout autour de vous à chaque fois que vous tombez, mais à Montpellier, dans le Montpellier de 2022 2023 et dans les villes de taille et d'ordre de grandeur équivalente, bah si, probablement que si vous activez votre regard, vous aurez même pas besoin de dépanner votre truc, vous pourrez le remplacer par un truc un peu plus récent. Voilà pourquoi vous ne me le verrez pas le réinstaller et vous remonterez proprement marcher sur mon mur. La chose sur laquelle j'attache le plus de valeur, d'ailleurs, c'est plutôt le système de fixation, à la limite. J'aimerais bien, dans l'absolu, adapter ces systèmes de fixation à un autre convecteur, à un autre radiateur ou à un convecteur. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électroinformatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électroinformatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email. Et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.